Eh bien, ici pour la deuxième partie de Pure Oldem. Donc la dernière fois, c'était plutôt bien réussi. Et puis vous voyez, en attendant, j'ai joué de mon côté aussi un peu. On est niveau 10 maintenant. Et puis, malheureusement, en fait, j'avais enregistré une deuxième partie déjà, mais il y avait des bugs de son, il y avait des bugs de... Enfin, c'était tout décalé. Et puis là, j'ai décidé de donc refaire tout ça, tout en beauté. Et... voilà, mais la dernière vidéo était plutôt bien et ça vous a bien plu en plus. C'est sûr que le poker ça peut pas plaire à tout le monde, mais je pense que pour une petite série de détente, ça peut être bien quand même tous les lundis comme ça, le lundi après-midi. Une petite vidéo détente sur le poker, ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, on va encore se concentrer sur le hors-ligne. La semaine prochaine, éventuellement, si vous le voulez bien, vous pouvez me dire dans les commentaires, on se fait une petite table ouverte. Donc en ligne, ça pourrait être sympa. J'en ai fait une pour l'instant, vous le voyez, il y a écrit une partie. J'en ai fait une petite. C'est plutôt marrant. Ça marche plutôt bien en plus. Les connexions sont super. Donc voilà. Et puis dans une prochaine partie aussi, on pourrait se faire un tournoi aussi. Mais bon, pour l'instant, on va se concentrer donc sur le hors ligne. Et puis pour changer, cette fois-ci, on va se mettre, pour montrer qu'on a des grosses couilles, sur le table des dames. Bon, après, le table des dames, ça fait pas vraiment le mec qui a des couilles. Ça serait plutôt, je sais pas, maître. Voilà, maître, ça fait bien. Ou as. Ou même roi. Lui, il a les plus grosses couilles. Mais voilà, on va prendre la table des dames. On y va, j'ai un peu peur parce que, bah, disons, 1000 buy-in, c'est déjà pas mal. Mais attendez, par contre, j'ai vu un truc avant. Jeu au bas. On va aller voir qu'est-ce que c'est en fait. Donc, pot de la banque. Supérieur, inférieur. Oula, double ou faille. Ah d'accord, ok, supérieur ou inférieur. Donc là, bah il y a beaucoup de chances que ça soit supérieur, non? Allez, supérieur. Ah bah c'est ça qui est bon. Supérieur encore. Et oui mon pote. Et puis là, qu'est-ce que ça fait si on appuie sur pot de la banque? Bon là maintenant, il y a beaucoup de chances que ça soit inférieur, non? Ouais, inférieur, oui. Maintenant c'est donc sur 4000. Et là si j'appuie sur rond, ça fait quoi? Attendez, on va aller voir. On va voir. D'accord. Bah ça prend en fait l'argent. Bah c'est très bien en fait. Putain. Alors là, on a commencé la vidéo avec même pas 2000 et puis maintenant on est presque à 6000. Bah c'est super en fait. Et je crois que ça, on a tous les jours. J'ai pu lire un truc comme ça. Attendez, on va aller voir. D'accord. Vous n'avez pas les... Nanana. Enfin, il faut 6000 crédits pour jouer une partie bonus. Et puis sinon, il faut revenir demain pour une partie gratuite. Ok, bah c'est très bien. Tous les jours, cash, on y va ici. Ok, donc ça c'est bien à savoir. Mais maintenant, par contre, on peut directement se concentrer sur le joueur hors ligne, sur les tables de dames. Allez, c'est parti. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Franchement, j'aime bien le poker. Ça me fait vraiment plaisir. J'espère que cette fois-ci, la vidéo ne sera pas décalée ou quoi que ce soit. Et qu'il n'y aura pas de bug. Sinon, je vais péter un câble. Donc là, les blinds font peur quand même. Là, on a directement misé, comme on vient de rejoindre la table, 10. Ok, donc on va regarder gentiment nos cartes. Et puis, ils sont pas mal. Donc, on va suivre tranquille. Ok. Donc déjà, on a la dame. On a une petite paire, ça fait toujours plaisir. On suit pour l'instant. Ok. Bon, lui, par contre, j'ai l'impression qu'il a quelque chose. On va suivre pour l'instant gentiment. Lui, il se couche. Ok, on reste sur notre paire. Putain, par contre, lui, il a quelque chose de bon. Alors, je pense qu'il a une paire de rois. Peut avoir un prelon aussi, mais je pense pas. Ou deux paires. Peut avoir beaucoup de choses. Bon, c'est pas grave, on va tenter. Allez, 30, on y va. Ah putain, il a le paire de roi. Ça. J'avais un petit doute sur ça, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave.
coup, il a quand même gagné pas mal. Et puis dire que sur l'autre table, on serait déjà quasiment ruiné parce que... Dire qu'on commence avec 100 et puis là, on a plus que 25 déjà. Enfin, 925 maintenant, mais par contre... Voilà, bon. Donc là, j'ai la petite blind, c'est ça. Mais par contre, pour 35, je me couche. Ça me fait trop cher, là. Les cartes que j'ai, ça valait pas le coup. Et puis, oh putain, en plus, surtout que c'est des très bonnes cartes. Et puis, si je ne me trompe pas, oui, en plus, c'est la même couleur. C'est des cœurs. Donc là, par contre, ça devrait se jouer assez haut. Oh putain, là, 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 mais c'est quoi ces cartes? Mais il mise pas beaucoup. Là, j'ai l'impression qu'il y a personne qui a quelque chose de bon, en fait. Sinon, il miserait beaucoup plus. Ah bah quand même, il avait le prolong d'As, le mec, et puis il a pas joué beaucoup. Ok. C'était... Je pense que c'était une erreur de sa part, quand même. Dame 4, j'ai l'impression que j'ai souvent la dame. On va la jouer, la dame, je pense, pour l'instant. Oh putain, par contre, lui, il relance cash. Est-ce qu'on la joue quand même? Non, on la joue pas. On prend pas de risque pour l'instant. Pour l'instant, on regarde un peu comment il joue pour se faire une idée. Et puis après, on y va en force plus tard. Bon, après, j'ai l'impression qu'il se calme quand même un peu, les gars. Après, il mise plus que 10 à chaque fois. Ah non, là, il relance à 40. Et puis tout le monde suit en plus. Ok. Ah, bah, j'ai bien fait de ne pas y relance de nouveau à 4. Je pense que là, il a le prolong. Non, il a... Oh putain, ah oui, carrément il a la suite. Ah, j'avais même pas vu venir la suite, c'est vrai que... Belle suite. Bien joué. Bon. Maintenant, il me faudrait des bonnes cartes pour y aller, mais c'est pas ça. On se couche directement. On réfléchit même pas. Donc là, pour l'instant, je joue très très défensif. On verra plus tard si on peut y aller un peu plus offensif. Mais j'ai un peu peur. J'ai un peu peur pour l'instant d'y aller offensif, je le sens pas. On aurait eu le 10 quand même là. Mais vu qu'il relance pas mal lui, Gabriel là. Ah bah on aurait eu le prolong. Mais il sent quelque chose de bon aussi. Il sent quoi là? Ah oui, la couleur effectivement. Ok. Donc pour l'instant, je ne regrette pas d'avoir ne pas joué beaucoup de cartes pour l'instant parce que... 10-3 par contre, celui-là on le joue. À part si quelqu'un fait le malin maintenant, mais c'est bon. Pour l'instant, 10, il n'y a pas de souci. Il relance par contre. Mais 10, on le suit quand même encore. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, il se couche. Donc si je ne me trompe pas, on n'est plus que à 2 là. On aurait pu avoir encore une suite là, mais par contre, sinon rien d'intéressant. Mais par contre, une suite ça peut être intéressant quand même là. Avec un 9, on pourrait l'avoir. Donc pour l'instant, on mise 10, on y va gentiment. Avec l'as, je sais pas par contre si là ça compte. Pour une suite, parce que ça dépend des jeux. J'ai déjà vu des tables de poker où l'as ne compte pas, mais je pense que le... Ah si, bah oui. Normalement, ça devrait le compter, donc là, on a une suite, logiquement. Donc on prend la confiance. Je suis pas sûr si c'est ça, mais je prends la confiance maintenant. J'en mets 20, il suit 20. Donc là, j'ai vraiment la full confiance, et j'espère que c'est vraiment compté comme une suite, parce que sinon, je suis dans la merde. Normalement, ça devrait être bon. Oui, bah, oui. Je sais pas pourquoi je me suis fait des soucis. Mais c'est bon, on s'est rattrapé maintenant. On est de nouveau avec les 1000 qu'on est venu. C'est très bien. Et après, il faut pas oublier que chaque partie qu'on joue, ça donne des crédits. Et puis, enfin, non, pas des crédits. Crédits dans ce jeu, c'est de l'argent, mais je veux dire, c'est des XP en fait. Et puis, les XP... à chaque niveau passé, on gagne aussi, je crois, 50 de crédit. Voilà.
Donc, je trouve que le système est vachement bien fait pour l'instant. J'ai pu jouer déjà quelques heures là. Hier soir, je me suis fait un peu de poker là. Et je trouve que c'est bien foutu. Bon, après, c'est vrai que pour un jeu de poker, 20 euros, c'est assez cher quand même. Parce que pour l'instant, sur le PSN, il est à 20 euros. Mais par contre, après, il faut dire qu'il est très cool. Un mode multijoueur, il y a un mode solo qui est très bien foutu. Et puis tout ça, ça donne très bien. As, dame, on relance directement, on prend la confiance. Tout le monde se couche par contre, non, c'est bon. Ok, la dame, on l'a eu, par contre, l'as, pour l'instant, non. Et puis la couleur, j'aurais aussi espéré un peu la couleur, mais là, du coup, c'est mort. C'est pas grave, pour l'instant, donc on suit. On n'a pas eu le top non plus. Je pense que lui, il a rien eu. Donc on peut miser 10 pour l'instant. Il se couche directement, donc il a vraiment rien eu. Voilà. Donc avec notre petite paire de dames, on l'a eu. On n'a pas gagné beaucoup finalement, mais c'est toujours ça de prix. Ok, par contre ça, on le joue même pas. Donc après, c'est vrai que des petites cartes, j'ai souvent tendance à ne pas les jouer. Même si, bon, par exemple, maintenant, vous le voyez. Des fois, on peut y aller loin. Mais déjà, là, maintenant, il y a une grande chance que quelqu'un a une paire de dames ou quoi que ce soit. Bon, là, maintenant, il n'y a personne qui a quelque chose parce que sinon, il miserait quelque chose. Ok, bah, ils sont rien. Mais bon, avec un as, il gagne. Mais disons voilà, je pense que ça dépend aussi des joueurs. Bon là par contre j'ai l'impression, est-ce que je suis la petite blind? Ouais je crois bien que j'ai la petite blind. Donc pour 10 on va quand même jouer. Ouh ok, ça nous fait déjà deux paires. Par contre il y a moyen que quelqu'un à une dame et du coup il a un prolong donc faut faire gaffe quand même. Mais disons pour l'instant. Ok. Donc là attendez, je vais juste checker pour voir si quelqu'un, si lui il a quelque chose là. Non il a rien donc c'est bon. Ouh, on a une foule. Par contre là putain, fait chier là. On va pas s'en sortir avec beaucoup. Je vais miser. Putain, mais ils sont rien. Donc, comme ils sont checkés, ils vont tous partir. Mais au moins, je vais tenter 20. Et puis, au pire. Non, il se couche. Et puis l'autre, il va se coucher aussi. Ah non, il suit. Ok. Donc, je pense qu'il y a quelque chose. Mais rien de spécial, je pense. Nous, avec notre full, en toute façon. En plus, il n'y avait rien l'autre. Il a suivi comme ça pour le fun. Ok, par contre, avec une full, j'aurais pu m'en sortir avec plus. Mais bon. Pour l'instant, je joue vraiment en mode ne pas prendre de risque. Mais par contre, là, avec une paire de... Mais non, non, non. Ça, par contre, ça me fait chier parce que ça veut dire qu'elle a... Elle a une paire d'as. Oh, putain. Mais même si elle a une paire d'as, s'il y a un valet qui vient, on a toutes nos chances. Hop. Oh. Putain, je suis vraiment tenté par faire tapis là. Non mais je vais pas prendre le risque. Allez, on se... J'ai pas envie de prendre le risque. Ça me fait chier mais bon, c'est pas grave. Mais s'ils font ça, ça veut dire que... Elle avait peur de d'As. Par contre là, c'était dommage parce qu'on avait des bonnes cartes là quand même. Paire de valets directement comme ça dans les mains. Ça fait toujours plaisir. 5 As de la même couleur. Disons, on peut en miser 20. Mais la dernière main, ça m'a énervé là. J'aurais bien voulu y jouer, mais c'était trop de risques là quand même. Par contre là, du coup, rien du tout. Rien du tout. Si, la couleur, j'ai pas vu.
Mais on a une chance d'avoir la couleur, donc on mise quand même 10. Ok, donc là pour l'instant on a l'as, on a paire d'as. Elle a misé 20. Écoutez, on va relancer 30. Merde. Ok, donc la couleur c'est mort. Donc on en sort juste avec la paire d'as, mais par contre ça nous suffit, je pense, pour nous mettre un petit 20. Allez. Elle nous suit. Elle a quoi? Elle a rien dessus. Non, elle a rien. Ok. C'est très bien. Avec la paire d'as, on gagne. Et puis pour l'instant, on s'en sort plutôt bien. Avec 1240 jetons. Et on est venu avec 1000. Donc c'est toujours ça de prix. Ok. 4, 3. On pourrait avoir la suite, mais je me couche. Ça, c'est toujours un choix à prendre, mais il y a peu de chances que on tombe sur la suite quand même. Et puis, je sais pas. Des petites cartes, j'aime pas trop les jouer. Mais ça veut pas dire que ça serait pas bien de le faire parce que voilà, il y a beaucoup de pros qui jouent même les petites cartes. Oula, par contre, là, il y en a un qui fait le malin. Bah lui, en parlant des suites, il en a une. Mais c'est quand même beaucoup de risque de faire tapis là parce que les mises sont quand même assez hautes. Bon après, c'est vrai que j'étais pas encore sur les tables de maître et roi et tout ça. Mais ça me semble haut. Vu que pour l'instant j'ai juste joué aux tables plus basse. Non. J'aurais pu jouer maintenant le valet, mais pour l'instant, calmement. Je me couche. Et donc n'oubliez pas de mettre en commentaire si vous voulez que lundi prochain, ou en tout cas un des prochains lundis, on se fait le mode multijoueur. Comme dit, je me suis fait une petite partie. J'ai pas gagné grand chose. Je suis sorti à peu près avec la même somme avec laquelle je suis rentré, mais par contre c'était sympa, je trouvais que c'était vraiment bien foutu. Pff, mais putain, les cartes c'est moyen. Bon après c'est sûr qu'avec un valet on peut faire quelque chose, mais avec un 3 comme deuxième carte c'est moyen. Ok, par contre là on est chaud. Si là j'ai des cartes moyennement bien, on y va. 10-2. Putain, c'est vraiment très moyen. Non, je me couche. Je le sens là, je le sens pas pour l'instant. Bon, le problème en ligne, c'est que bien évidemment, si on se couche, on a quand même plus long à attendre parce que bah, le temps que tout le monde joue et tout ça, c'est quand même un peu plus long que le mode hors ligne. Mais je trouve que ça a quand même son charme en ligne et tout, donc ça, j'aimerais bien le faire quand même. Mais là, déjà, le mode carrière, là, le hors ligne, il est vachement bien foutu pour un jeu de poker. Quand même très bien. Et je trouve ça une bonne idée avec les tablettes, là. Avec les photos de chaque personnage. Roi 7, bon c'est moyen aussi, mais par contre là j'y vais.
La couleur non plus. Ok. Donc pour l'instant, on check. Relance 30. Je me couche. Bon allez, pour 5 on peut y aller. Ah putain, il relance. Pour 10 par contre, je sais pas. Bon là on est déjà avec 15 de... Non, on est avec 10 dedans. Non, je préfère me coucher. Beaucoup de monde encore dedans là pour l'instant. Ça y est, il n'y a plus que deux. Ok, avec une paire d'as. Ok, bon, rien de spécial. Putain, mais c'est quoi ces cartes là? Je me couche directement. Au début ça allait avec les cartes, mais là en ce moment ça va un peu moins bien. Allez, par contre, maintenant, on y va là. Bon, j'ai envie de jouer, donc on va au moins jouer maintenant le valet. On s'en fout. L'autre, il est obligé de relancer. D'avoir la suite, mais checker un peu. Rien, on a juste une paire, un paire de 6 comme tout le monde quoi. Okay. Bah, du coup tout le monde a deux paires. Allez, on peut suivre 10. Tout le monde a deux paires, mais enfin ils se partagent entre les deux, non? Ouais, parce que moi j'avais pas l'as, donc du coup ils avaient les mains la plus haute, du coup ils se les partagent. Ok, là par contre 10 as de la même couleur, ça on peut même prendre confiance, on relance. Oula! Bah c'était trop confiance pour tout le monde en fait. Ok bah... Merci, merci. Du coup j'ai rien gagné quoi. Oh là là, putain, mais c'est des petits sisi là. Ok bah ça on rejoue. Par contre cette fois-ci je relance pas du coup. Faire peur à tout à personne. Ah mais il y a quand même tout le monde qui se couche à part une quoi. Par contre là on n'a rien eu, on suit quand même, on a eu l'as.
Quoi? Elle a fait tapis? Bon, il y a moyen qu'elle a un as aussi. On pourrait espérer. Ou alors un as qui suit encore pour avoir un prolong. Ou alors un roi pour avoir deux paires. Ah non, mais elle a la couleur en fait. Ah oui, elle a la couleur. Non, je me couche. J'avais pas tout vu tout de suite, mais là, elle avait certainement la couleur. Ou alors elle bluffe, mais je vais pas prendre le risque. As 9, on joue au moins l'as, ça c'est bien. En ce moment, il y a beaucoup qui se couchent quand même à chaque fois. J'ai l'impression. Ouais, bah on relance. Enfin, on suit. N'a rien eu. On suit quand même. Toujours rien. On suit. Non, on n'a rien eu. Bah là, du coup. Si, bon, si personne a quelque chose, on a la plus grosse main. Ah bah si, ils sont tous des rois en plus. Et puis l'autre, il a carrément deux paires. Valet 7. Non, je me couche cette fois-ci. Je vais au moins encore jouer une partie. Et après, on va s'arrêter pour ce lundi. Et puis comme dit, vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous voulez voir pour la prochaine fois. Éventuellement une petite partie en ligne. Je fais la big blind en plus. Ok, là cette fois-ci c'est bon. On a deux valets. C'est pas imbattable, mais c'est déjà ça le prix. Donc du coup, pour l'instant, on check tranquillement, on y va avec eux. Bon, du coup avec le roi c'est un peu plus dangereux maintenant, mais par contre on mise quand même 10 pour qu'il n'y ait personne qui mise d'autre, parce que souvent il suit juste après. La dame, c'est dangereux aussi parce que là, du coup, il peut avoir quelqu'un qui a ou le paire de rois ou alors de dames. Du coup, avec notre paire de valets, on va pas aller loin, mais par contre, on mise 10. Se couche, elle suit. Oh là, mais avec l'as, putain, mais on a que eu des cartes plus puissantes que nous. On mise 10 quand même. Il relance 30, donc il a quelque chose. Elle suit 40. Je me couche. Ouais. Deux paires carrément. Roi et As. Ok. Bon, on s'en est sorti encore à l'heure, mais on a quand même perdu pas mal. 5, 10. On va voir s'il y a quelqu'un qui relance ou pas. Ouais, relance, donc je me couche. Ok, bah là du coup, on est arrivé quasiment à 30 minutes. On va jouer encore cette partie et après on va s'arrêter là. Ouais, bah allez, on la joue en plus cette carte. Oh là là, mais il est obligé de relancer lui. Dame 9, bah du coup, c'est pas très intéressant, mais on y va quand même. Toujours rien. Lui, je pense qu'il a rien non plus.
Ok, bah du coup, on se sort avec rien. Mais lui, je pense qu'il a rien non plus. Et puis, par contre, il a l'as. Ah non, il a paire en fait. J'avais même pas vu. Ok, bah du coup, on s'arrête là. J'espère que ça vous a plu. Quittez la table, voilà. Et donc là, vous voyez, on gagne les XP. Au fur et à mesure, donc là maintenant on est niveau 13. Voilà, bah du coup, c'est déjà la fin de ce lundi de poker. Et donc, dites-moi dans les commentaires si vous voulez bien avoir une petite partie en ligne aussi. Et puis, bah, comme ça, on se retrouvera donc lundi prochain à la même heure pour la suite du Pure Hold'em, le nouveau jeu de poker, enfin nouveau, non, mais le jeu de poker sur la PS4. Donc salut Jean, et à très bientôt pour la suite du Pure Hold'em, et puis aussi pour du... bah tous les autres let's play en fait, des Grands Prix de Formule 1, du Metal Gear Solid, du Soldats Inconnus. Et puis voilà. Donc sur ce, salut Jean et à très bientôt!